vivre actuellement sur Facebook, facebook.com/rougefm. Vous allez vous connecter. Eddy est sur le Facebook Live en ce moment. Et donc, vous pouvez nous voir. On est avec le CA qui est venu installer beaucoup de matériel et avec l'instructeur qui s'appelle Julien. Julien, voilà. Julien donc, va créer un feu, c'est ça. Il va créer un feu domestique, ce qui peut se passer à la maison, c'est ça. Et pour commenter, il y aura Didier Bruscadin qui travaille à l'ECA, qui va commenter toute la scène qu'on a mis en place. Oui, alors peut-être un petit mot avant de commencer, ou Joe, ou seulement. Julien est un instructeur et on a une trentaine de personnes qui, comme lui, sont formées pour accompagner les visiteurs. On les forme pour faire de la sensibilisation à l'incendie. Ce sont des professionnels de la sensibilisation et ils font ça super bien. Et là maintenant, bien, Julien va... J'espère qu'il fait ça super bien. Sonia. Parce que franchement, il y a le patron au-dessus, j'aimerais pas avoir de problème avec la direction. Bon, alors là, on voit que Julien a fait ce qu'il fallait faire. Hein. On a un sapin Noël de prise électrique, donc c'est exactement des cas qui n'existent pas. En tout cas, ici à la radio, j'en ai jamais vu. Félicitations. Ce genre de sapin-là, le problème, c'est que c'est pas... quelque chose qui va durer. Ce n'est pas une tranquillité absolue. En attendant, tu continues. Alors là, il a une cuisinière, il a une casserole, il va faire une petite démonstration de ce qui se passe. Alors, là, Sonia, d'essayer les flammes. Si tu peux te rapprocher, Sonia, de la casserole, s'il te plaît. Alors, on est parti de la maison, et quand on arrive, un long moment de solitude, il y a des flammes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on appelle les pompiers, le 118, ensuite de quoi on va couper la source de chaleur. On dit quoi au 118 quand on appelle? Il y a le feu, donc ça sert à rien. Dans la place, les professionnels du 118 sont là pour te questionner, Sonia. Oui, donc, mais là, ils me posent quoi comme question? D'où vous venez, quel type de feu? Sonia, je on a sais un pas, autre j'ai problème. Peur, il y a le feu. On a un autre problème. Voilà, ça part en sucette. Là, moi, je me casse. On va commencer par éteindre ce feu, voilà. Une maîtrise tranquille. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi ce que fumait. Ouais. Julien, malgré tout, il ne fait pas ça très très bien. Il a fait son sapin de Noël. Ça pue, hein. Ah ouais. Puis attends, ça c'est juste la première partie. Après, on a les pompiers qui arrivent. Le petit détecteur qu'on a entendu là n'appelle pas les pompiers. Okay. C'est des détecteurs individuels qu'on peut installer. C'est des petits moyens de prévention assez simples. Et vous avez vu que là, eh bien, il a enlevé tout son sapin de Noël. Il a remis les plans en place. À partir du moment où on est dans une installation correcte, pour répondre à un auditeur qui disait « mais j'ai une prise et j'ai 8 installations », eh bien, on a une multiprise qui est correctement installée avec peut-être 8 ou plus de sorties. Mais là, on ne risque pas que le détecteur de l'entreprise sonne tout d'un coup? Ça peut arriver, mais pas trop, vu que c'était pas très grave. Ça coûte 600 francs, les pompiers, quand même. Non, alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, on sait bien, c'est bon. Je peux tester, du coup. Alors maintenant, ce que je propose, c'est qu'on teste. Mais par contre, j'aimerais juste dire une chose. Quand c'est arrivé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un moment d'émotion, quand même. Même si on sait que c'est du... Là, on est en train de jouer, bien sûr, de tester, mais ça fait vite peur, hein, les flammes. On a entendu à ta voix que c'était un moment d'émotion, parce que tu t'es mis à crier. Non, mais parce que le truc, c'est voilà, quand les personnes, elles vous appellent, elles sont paniquées au téléphone. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors, les personnes qui appellent les sapeurs-pompiers, donc le 118, hein, qui se trouve à Puy, ce sont des personnes qui sont de toute façon en état de choc, émotionnellement. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que nos opérateurs sont des professionnels formés pour calmer les gens. Bonjour madame, qui êtes-vous? Donc le nom, le prénom, ils vont vous faire parler. Quel est le type de feu? Où est-ce que c'est? Où est-ce que vous habitez? Comment ça se passe? Ok. Et tant qu'ils ne demandent pas mon âge, ça va. Il faut savoir que quand on est à la maison, en fait, on est identifié, donc ils ont déjà l'adresse. Ok, mais alors maintenant... on y va. Mais j'ai cru qu'il fallait faire avec un linge. Non, c'est pas alors, ça. Alors, jamais un linge mouillé. Ah. On montrera peut-être après si on attend. Mais là, par contre, on a une couverture. Mais donc, lui, Sonia... il n'a pas fait avec la couverture, il a fait avec. Il va vous montrer, Sonia, regardez. Maintenant, il va vous montrer qu'une couverture d'extraction, ça sert à ce qu'on a. Le moyen idéal pour se protéger. Je maîtrise. Quoi? Non, je rigole. Vas-y. Voilà, il y a le feu, pampon. Alors, si on a... Vas-y. On lance, c'est juste. Ouais. On se baisse, on tend les bras. Il faut se baisser. Voilà, on vient. On coupe. Ok. Et surtout, on met ça à zéro. Je vois bien aussi. On quoi? On met la plaque à zéro. Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est à moi. Je risque rien avec les cheveux, non? Non. Avec ma chevelure. Sonia, rien du tout. Je dois me baisser. Pourquoi je dois me baisser? Quand on vient de voir, la chaleur, elle monte. Sonia est actuellement devant le feu. Pourquoi je dois me baisser? Parce que la chaleur, elle monte. Oh putain. Tendez bien les bras. Voilà, jusqu'au bout. Ah mon Dieu, j'ai peur. Jusqu'au bout. Parfait. Ah voilà. Ah mais ça fait peur quand même. Parfait. Mais ces couvertures, où est-ce qu'on se... Si je relève, il se passe quoi? C'est chaud, ça reprend feu. D'accord. Donc on laisse, puis on attend 30 minutes. Ah voilà. C'était bien, non? C'était bien?
C'était beau geste technique. On est encore en direct, qu'est-ce qui se passe donc? On va retourner au studio, qu'est-ce que je vous propose? Voilà, donc on a compris la couverture. Là, si ça commence à fumer, on éteint toute source de chaleur et d'électricité. Ouais. Et ça, c'est un couverture. La couverture, voilà. On y va? Donc, je n'entends plus rien, mais c'est pas grave. Du coup, on est toujours en direct. Évitez, s'il vous plaît, entre nous, de faire des trucs comme ça. Ouais. On sent déjà que c'est pas bon, ça. Bon, alors à toutes.